c'est la musique qu'il faut mettre quand je veux danser. L'art populaire noir africain. La Joconde. Le guerrier debout de Ousmane Sow. Le monument de la Renaissance africaine. Il se situe à Dakar, au Sénégal. L'alchimiste de Paolo Coelho. C'est une histoire très spirituelle qui m'inspire beaucoup. Futanjalan de Koffi Olomide. C'est la musique qu'il faut mettre quand je veux danser. Une balle dans la tête de John Woo. C'est un film assez violent, mais j'ai grandi avec ce type de film. Les danseurs de Bamako de Malik Sidibé. Ça me rappelle les photos de mes grands-parents, de mes parents, quand ils étaient plus jeunes. Le Louvre, c'est pas original, mais le Louvre. C'est évident, le rouge. Le pointillisme, ça permet de travailler sa patience. Du coup, moi, ça m'aide beaucoup. Frida Kahlo et Diego Rivera. Chantelle Martin et Latoya Holmes, c'est deux femmes qui m'inspirent beaucoup. Je serai une combinaison de deux artistes, Banksy pour sa discrétion et son côté coup de poing trash, et Nikit Saint-Phal pour son côté plus trash que Banksy, à savoir la peinture à la carabine.